Mais si. Bonjour à VOD. Nous sommes sur machin. Ah bah en plus on revient vraiment presque pile où on était. Ah t'as pu ton truc. Regardez ouais, ça. Ouais ça me fait bizarre. Tu vas réussir à rejouer normalement? Je sais pas. Pousse toi tu me gênes. Ah, je peux grimper. On est sur la suite de House of Ashes avec Envy et ça fonctionne. Bonne Gauchen, des bisous. Merci beaucoup d'être resté un peu très gentil. Bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher et toutes celles qui vont se coucher. On s'en sort bien. Moi, j'ai l'impression que j'ai plus les lags et tout. C'est pas mon truc. Ah oui, non, mais je dis pas hémoglobine d'art. Mais comme j'ai, faut voir ça comme un. Comme la simple politesse, c'est tout. Tout simplement. Mais je sais que t'aimes bien faire toujours les trucs. Les trucs de mec blasé. Je te connais. C'est à cause du. Ouais, mais c'était Envy, il buguait trop. Non, tu. Et moi, bah, même si tu veux pas le souhaiter, moi je te souhaite une très bonne année, Mog de Menda. Ce petit briquet, c'est bon. Je suis quand même curieux de voir ce qu'il y a là-bas. C'est quoi ça? Moi je vois de très loin. Fait une interaction, mais ça prend son temps. Un crâne. Ah bah un crâne de créature d'ailleurs. Oh, un crâne d'alien. Venez voir ça. Celui-là était pas copain avec le dentiste. Oh, pointu. Connard. Oh là là, non mais on est dans un film Marvel ou quoi? Bah oui, on est dans un Marvel. Comme s'il avait été percuté de l'intérieur. Salim reste... Salim reste sérieux moi. Salim c'est le meilleur. Ouais, Salim c'est le bro. C'est le bro. Blague de merde, oui, je... Jason. Sachez que je souhaite pas du bien. À Jason. Regardez. Mignon. Oh, c'est classe. Non, mais par contre, on est dans un cimetière. Pourquoi des éclairs? Matrix, je t'avais dit. J'avoue. Il y a un côté, hein. En plus, c'est tout aligné, les lucioles. Les loupiottes. Je t'ai dit, ils ont taxé plein de trucs de... Ils ont tout mélangé les types. La même chose. On fera une meilleure histoire en mars, Léo. Dans notre jeu. Ah ouais! C'est des œufs? Soit c'est des œufs, soit c'est des morts. Mais je vois bien des œufs, ouais. Bien, ça va péter. Ouais. Doucement. Non, c'est bon, il faut gaffe. Oh, on va avoir des QTE. Non. Une couille géante. Une quoi? Une couille. Couille. Pardon, j'ai rappuyé, j'ai pas fait exprès, je sais pas pourquoi je fais ça. Je suis dingue. C'est chiant. Maintenant, un petit générique de Prison Break. Un jour je serai le meilleur batteur. J'aurai tout pour me promener. Parmi des œufs explosifs. Ah mais faut vraiment faire gaffe en fait. Heureusement que tu l'as plus. Bah j'avoue qu'à un moment je me demandais si ça valait le coup de faire attention. Ouais. Et visiblement ça valait le coup. Le mec s'enfonce encore plus dans la merde. Bah écoute... Ça se passait trop calmement. Fallait qu'on fousse le bordel. Bonne nuit Grisou. Non mais c'est trop dur cette affaire. Les zoubis. Prenez un vrai qu'ils en prennent 30 minutes. À toi de jouer. J'ai joué. Wow, tu m'as save. Ouais, je te save. Non, tu es trop mort. Avec son pic là, son pic fatal. J'ai quelque chose pour toi.
Bouf, partez. Il vient d'où lui? Ben les deux, alors là, je sais pas. Hein. Visiblement, ils étaient en bas aussi, on sait pas. Franchement, bah, on, ça c'est vraiment. Facilité, oh, cette merde. Putain, c'est unique. Depuis quand il est là? Je suis que toi. Je sais pas. Puis il était putain, pas avec la gonzesse. On peut dire que tu débarques au bon moment. Elle est là? Je croyais que t'étais mort. Mais je la vois pas. C'était pas mon heure. Oh, on est quatre, mais elle est pas là, Rachel. Ah si. Si, voilà. J'ai rien dit. Ouais, everybody, retrapille, t'as raté plein de bugs. Prenez ma main. Ils ont eu le colonel? Mais en vrai, le colonel, il est mort parce que pour un choix qu'on avait fait genre 15 jours avant. Hein. Content de te voir, vieux. Cet endroit. Bah, c'est joli. Ah, t'es générique de Stargate. Salle stellaire, hein, le nom. Quel est cet endroit? C'est vraiment une traîtresse en Théomania. Il est trop bien. Gonzesse, comme ça, gonzesse, elle m'a l'aidé. J'ai gonze et gonzesse. Comment ça, gonzesse? Je dois dire gonzesse ou gonzesse? Ça, je trouve que c'est péjoratif. Sergent, on dit bien le mec. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste. Bah, c'est péjoratif. 8 chargeurs, c'est toi, 256 FMG. Des hommes. 3 balles explosives, 40 arrête mm, de péjorer. Des pistolets 9 mm, 4 chargeurs en tout. Ah, il a tout on analysé. Il est trop fort. Et un pain de composition C4. Ça, j'ai raté des trucs. Plein de bugs. On a raté Envy qui avait un diaporama. Et on a ça aussi. Trop vieux. On ne peut pas s'y fier. On fait avec ce qu'on a. Les mèches sont mortes, mais on peut les faire sauter avec le C4. En espérant qu'ils sont encore bons. Les vampires, ils proviennent de ces cocons. Vous avez vu leur nombre dans cette salle? Là, il peut y en avoir des milliers. Faut tout faire sauter. On fait griller autant de ces enfoirés qu'on peut et on regagne la surface. Comment on regagne la surface? Oui, c'est ça, ça me fait mal. C'est le premier problème en fait. C'est le problème, ouais, numéro 1 depuis le début, quoi. C'est terrible. Je le laisse pas se balader avec une arme. On en est plus là maintenant. Bah oui, c'est bon, ouais. On est tous dans la même équipe. Ouais, tu retournes embrasser ton Gus là. C'est quoi ces gros plans sur des aisselles là? Bah ils sont blessés. Ça a un peu frotté. Elle est presque vide. Avec ça, je ne soignerai qu'une personne. Ouais, j'ai trouvé un kit de soins. Elle va se régaler, la presse américaine. Ils ont failli s'allier. Les potes explorateurs sont venus ici. On devrait regarder ce qu'on peut trouver avant de partir. Bon, bah, ce sera la baston finale. Hein. Attention de Pullman, demande de matériel 12 pioches, corde 300 mètres minimum, 29 caisses de contreplaqué, dimension machin, 20 lampes, 6 masques à gaz, petite biche. A quiconque trouvera ce message. Espèce d'enfoiré. Attendez-moi, j'ai saboté la dynamite afin d'empêcher mes collègues de condamner l'accès de ce temple. Oh, il a saboté la dynamite. Les créatures sont la clé de la puissance infinie. Ce lieu renferme des secrets qui pourraient permettre aux hommes d'atteindre les étoiles et peut-être même de parvenir à l'immortalité. Je vous en supplie, protégez ces ruines. Ne me jugez pas trop sévèrement, j'agis uniquement dans votre avenir, pour votre avenir. Ok. Ah, il y a des implants parasites apparemment. Ouais, il a saboté des trucs. Et c'est à la mort de l'autre qu'ils prennent le contrôle. Faut que je le dise à l'autre là pour pas qu'il fasse tout exploser. Ouais, enfin pour pas qu'il tente quoi. Cette histoire entre toi et Rachel. Mais non, on s'en fout, toi et Rachel. Pas le moment. C'est mieux comme ça. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Bien sûr. Maintenant, Pavie, elle est cassée, silence. Tu le sens comment? Ça devrait aller, je crois.
Oui, il y a un host d'Aurélien Porto, Trapilou. J'ai trouvé quelque chose. Ça, tu as un flashback, toi. Ouais. Dans un autre jeu, je suis sûr. Ah oui, c'est dans un autre jeu. Ouais, c'est un autre. Au fur et à mesure de mes découvertes sur la langue musicale des créatures, je ne cesse de me demander comment elles ont pu arriver ici. Sont-elles descendues du ciel à l'époque des dinosaures, machin, machin. Ah, ok. La console affiche. Sur ma constellation de la baleine vue de la Terre, les créatures sont-elles venues si loin après... Ouais, bon, on s'en fout, hein. Enfin, on s'en fout. Disons que même si elles viennent du ciel, on va quand même les cramer. Oui, c'est ça, silence. Apparemment, il y a un délire avec le... Oula! Elle a été mordue? Est-ce que ça va? Bah oui. Ah, t'appelles ouais. Pas? En fait, je pensais qu'elle avait été blessée, mais pas mordue. Ça doit avoir un sens. Ouais, là ou l'autre, ça doit être un peu basé sur les accords, les gammes musicales, les notes. Bah, je sais pas, je me dis que c'est avec leur mâchoire qu'elles font tout. Là, Marie était pianiste. Elle l'a déchiffré. Elle pensait que ces gravures représentaient les étoiles. Non, heureusement qu'il est là, lui. Vous voyez, c'est Cetus, la baleine. Oui. On ne peut pas voir le ciel d'ici. C'est un mystère. On voit quand même si des loupiottes chelous. Si on le journal, le dispositif ne produisait qu'une seule gamme de notes. Pas le moment d'être enceinte, mais Rachel. Marie était la seule à l'étudier. Elle est peut-être enceinte. Enceinte. Je pense qu'il y en a une autre. Je vais avoir besoin de votre aide. Dis-moi. C'est ça, c'est tenir le bidon. Cette console est trop volumineuse pour un seul opérateur. Elle est la clé. Je peux faire un. J'ai vu un petit clip qui m'a fait rire. C'est un gamin qui joue avec un centre. Il doit avoir 5 ans, 4 ans, tu vois. Et son père, il arrive, il lui prend. Tu sais, il fait. Non, c'est un petit peu tard pour ça. Le canard. Faire dans l'autre sens maintenant. D'accord. Fais en haut toi. Allez, voilà. Ok. J'ai pas tout compris. On a appelé les aliens avec de la musique. Hulk. T'es là. Ça c'est incroyable. Ça me rappelle autre chose, moi. Hein. Ça me rappelle une petite histoire de piano, tout ça. Je pensais que ces créatures étaient jadis pacifiques. Leur langage était une sorte de musique. Elles étaient sensibles, forcément. Puis une catastrophe est survenue. Leur grand empire a sombré. Oh, elle va pas bien, elle, hein. Et elles se sont entretuées. Il va y avoir un alien qui va lui sortir du ventre comme dans Alien. Une maladie, la folie. Qu'est-ce qui a transformé ces architectes en tueurs? Cet événement les a corrompus. Ce ne sont plus que des êtres de haine, des animaux, des choses mortes. Plus personne n'a massacré. Ils ont donc dormi très, très longtemps. C'est quoi le Reikim ou le Bindar? En nous attendant. Merde! Rachel! Oh, ça craint, elle va avoir un bébé alien. Merde. Oh, elle avait déjà un parasite en elle. Parce qu'il parle de parasite. Rachel, regarde-moi. Arrêtez ce putain de bruit. Je ne peux pas. Je ne sais pas comment. Bah oui, c'est pas.
C'est cette chose. Elle est en elle. Elle discute avec le cosmos. C'est pas leur maison, c'est une arche. Il faut l'aider, elle se transforme. Je vais abréger ses souffrances. Dans le direct. Il va tirer sur tout ce qui. Il y a aucune idée. Pas voir Rachel se transformer. Donnez-moi une raison de pas le faire. Mais elle est en contact, c'est bizarre. Je suis pas convaincu. Ah, il a pas été convaincu par son argument. C'est moi, Jason. Pitié, baissez cet homme. Non mais je lui tirerai pas dessus, enfin c'est bon, espèce de taros, va. Arrête, tu sais même pas pourquoi tu veux la tuer. Elle a peut-être juste des crampes d'estomac. Surprise, motherfucker. Parce qu'on a besoin d'espoir. Attendez, j'ai une idée. Eh ben, ok, je connais pas du tout hémoglobine. Peut-être un autre moyen. Comment t'as dit parler dans les cocons. Oh merde, je crois que je vois où vous voulez en venir. De quoi est-ce qu'il parle? Le fluide. Merci, il garde de la chair en vie, mais stoppe son vieillissement. Je l'ai vu. Un homme couvert de ce fluide. Il aurait dû mourir, mais il vivait encore. J'ai des reflux gastriques. Plongeons Rachel dedans, ça devrait l'afficher. Vous êtes sérieux? Ça peut arrêter sa transformation. Le cocon la conservera en attendant qu'on revienne. C'est notre seule chance. Ouf. C'est elle qui doit dire si elle est d'accord ou pas. Allez-y. Si ça peut l'arrêter. J'ai accepté, hein, de toute façon là, au point ils en sont. Ah, et... Ouf, faut un corps bizarre. Je vais lâcher la manette. T'as bien quitté de traînage. Ouais. C'est bon. Oh non, ils vont marcher dessus. Prépare-toi. Celui-là. Tu vas devenir un papillon, Rachel. On viendra vous chercher. Ne laissez pas mourir ici. Bien sûr que non. Vous promettez? Oui, madame. Sortez-vous de là. Faites ce qu'il faut pour survivre. C'est la nouvelle reine-mère, ils vont juste se condamner. Le monde doit savoir ce qui s'est passé ici. Bah, tu crois pas si bien dire, il l'appelait la reine-mère, c'est... Ouais, c'est ça. Les soldats. Qui étaient sous ses ordres. C'est sûrement qu'il lui donnait la reine-mère. Oh putain. Fugir instant. Grave. T'as pas intérêt à le toucher, hein? Je le jure. Je reviendrai te chercher. Elle était morte fortement avant, j'avais pas vu ce passage ultra chelou. Ah oui. On a cru qu'elle était morte à un moment, non?
Et plus je les éclaire. Trop nombreux. Hein. Vous voyez ce que je vois? Ce sont des empilements de cocons. Il y en a des milliers. Si on pose les charges là-bas, ils brûleront tous. Il en restera forcément. Hein. Ouais, et un seul pourra vous tuer. Grave. Même un bébé, ils vous dévront. Il est sorti par la bite, celui-là. Merde, il s'éclose. Merci pour le follow, Elia et tout. Il faut agir. Vite. Merci, bienvenue à toi. Écoutez. On a essuyé beaucoup de pertes. C'était des frères. Rachel est morte. Mais non! Quoi? Le colonel aussi. Quoi? Maintenant, il est temps de prendre notre revanche. Elle est pas morte, c'est le principe. On pose des charges sur un maximum de ses amas. C'est vrai que d'un côté, ils veulent mettre des charges et se barrer, ils veulent tout péter. Donc c'est vrai qu'ils vont tout péter. J'ai jamais l'intention de la sauver, en fait. Si la chance est de notre côté, en plus de griller quelques vampires, on créera une diversion. Salim, vous êtes prêt? Bien sûr. Fais toto pour évoluer. Que la fête commence. Salut Elia. Elle va se transformer en bulle bizarre. Oui. Qui va aller poser les explosifs? Envoyons l'Iranien. Très bien. Irakien. T'es malade. On fait ça ensemble. Non, plus on est nombreux, plus on risque de se faire prendre. Prenez le détonateur. Et si je m'en sors pas... Nick, laisse-moi finir. Si je m'en sors pas, vous me faites sauter ces charges. Évitez quand même de m'exploser par erreur. Jusqu'à ce que tu reviennes, on reste en contact radio. Et si le signal ne passe pas, je tirerai une fusée. Dès que vous la voyez, enclenchez le détonateur. Attends, on vient de tracher le pas de Ok, mon pote. Je peux plus de vous. Je crois que j'ai bugué. Ah ouais? Moi je vois des trucs. Pas de mon écran. Ah mais toi tu regardes le mec qui est en... Qui saute, mais il n'y a pas la suite. Non, je crois que c'est celui avec les jumelles. Ah d'accord. Première dynamique. Et moi je regarde celui... Bah voilà, je regarde des Nick. C'est vachement nul. Vers où? Gauche ou droite? Aucun mouvement à signaler. À toi de voir. Ça longtemps qu'on n'a pas joué. Ah! Droite ou gauche? Droite. Je dégage. De toute façon, c'était dans le dos. Oui, ça s'en revenait exactement au même. Je suis tiré par le sang. Hop, tu joues deux fois moins. Mais non, justement, t'es censé jouer plus. C'est le cas dans Little Hope. Il fait plus de gameplay. Oh non! Tu vas pas faire de bruit? Ouais. Rate pas! Encore? Mais il y a un décalage en plus! C'est trop fort. Ouais.
House of Cutscene. T'as le sang qui punique. Merci Anté. C'est un peu ça. C'est le jackpot. Non mais c'est non. Trop loin. Il y va ou pas? Non. Ouais, j'avoue, flemme. Ok, je fais demi-tour. Ah ouais, en plus je suis suivi. Appuie sur le bouton. Quoi c'est ce effet là? Ça a rien fait. Ça servait à rien. Ça les a bien réveillés, je pense. L'effet de l'explosion était pourri, hein. Vous avez rien réussi en vrai, hein. Vraiment, hein. Là, Rachel, genre, elle est morte. Hein. Ouais. T'as rien de mer, là. C'est Salim. Virilitude quand tu nous tiens. Oui, mais comme d'hab, je suis l'autre nul, moi. Chance qu'on ait eu ces charges. Non, mais ça servait à rien que je prenne le risque, il y a de tout qui se détruit. Qui il est vivant. Bah oui, il est vivant. Salim, répondez. Vous êtes là? Je suis encerclé. Ça ne se présente pas bien. Des vampires. Des vampires partout. Désite, sérieusement. Si on retourne là-bas, on meurt avec lui. Mais non, mais faut l'aider, oh. Une de nuke. Je m'en sortirai pas tout seul, Jason. Me lâche pas. Bah toi, me lâche pas. Je peux pas choisir, je peux pas aller t'aider. C'est pas l'un des nôtres. Allez, mais comment ça c'est pas l'un des nôtres? C'est plus l'un des nôtres que les... plein de gens. J'y vais. Salim est des nôtres maintenant. Les Marines n'abandonnent pas les leurs. Vous me recevez, Salim? Si je ne m'en sors pas, dites à mon fils que j'aurais fait ce que je pouvais. Vous lui direz vous-même. Dites à mon fils que je suis mort. Je vais vous chercher. Héroïsme. J'ai débloqué la trajectoire, héroïsme. De toute façon, je l'aime pas, Jason. Moi, j'aime pas. Je sais pas. J'aime que Salim. Salim est pas trop bête, quoi. Oui, il nous a trop aidé sur plein de trucs. Allez. Voilà. Oh, j'ai réussi aussi. Ah ouais, nice. Bon, rien de moins, mais bon. Mon cœur, ça. Voilà. Mais comme quoi, c'était facile d'aller l'aider, l'autre il me fait. Petite balle. L'autre il me fait un cinéma en mode. Ah, aide-moi, c'est pas l'un des nôtres. L'autre il est content que l'autre soit venu aider quand même. Ouais. Oh le vachon. Jason! Vas-y, vas-y, vite! Moi j'ai un QTE où je dois recharger, toi t'as un QTE où tu dois me sauver la vie. C'est trop pourri mes QTE à moi. Sérieux, vous avez lancé ce truc dans ma direction? Non, oh, ouais, il t'a sauvé. Eh oui. Fichons le camp d'ici. Ouais, ils sont trop sereins les mecs. Grave. Oh, y a oh putain, c'est bon quoi. Ah, saga Africa, on en peut plus. Hein. C'est bon quoi, en plus on fait vraiment un truc d'indigène avec des crânes autour et tout, c'est ridicule. Ben non, parce que c'est les indigènes. Enfin c'est ceux, enfin les indigènes c'est ceux qui étaient là avant il y a très longtemps. Moi aussi je me sens indigéné de toute façon. Ça
fait deux fois il nous fait le coup de la lance. Mais ça fait deux fois que je lui mets un QTE dans sa gueule. Allô, t'étais resté là? Non mais attends. On est où là? Moi j'ai pas le temps de me mettre. On est chez les guignolos. Toi le guignolo. Chauve-souris qui allait te tuer. Oh, je l'ai été. Oh putain, c'était un truc de fou furieux. On était encerclés par ces choses, mais avec Salim, on les a défoncés comme si c'était le dernier touchdown du Super Bowl. Ouais, Rachel, c'est écoutez, l'abandon total. Hein. On n'est pas encore sorti d'affaire. Mais ce que j'ai en face de moi, là, c'est l'élite. Mieux que ça, la crème de l'élite. Rachel, et elle je vous sais attend. Qu'on y arrivera. Ah. Il est gêné lui. Je participe. Oula. Oula. Il s'est calmé tout de suite. Mais j'avoue. Mais surtout que ça ne remonte pas du tout tout en haut ça. C'est ah non, il y a encore trop de trucs à faire hein. Puis comment on va retourner? Mais là il s'avoue aller, là c'est ok. Ouais. Par contre il s'achète pas hein. Là il sache hein. Vite, allez! Je serai derrière! Oh la croûte, putain, ça va s'en servir. Ah les Cro-Magnons! C'est quoi derrière? On avait quelqu'un qui avait l'air trop serein. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a des soucis? Il y a l'autre qui suit là, alors. Merde! Clarisse. Tu perds? Je lag, regarde. Oui, je vois ça. Je sais pas si j'ai réussi. On a aucune idée. Ah, t'en as un là. Fais gaffe, t'en as un bientôt, très bientôt. Genre maintenant. Tion dans la tête. On a hétéro synchro, ça va. Nulos. Dès l'instant où ils l'ont attrapée, elle était morte. Elle était morte. Vous pouvez pas le rester. Non, mais en tout, il y a des cordes ici, non? Bah si, des petites cordes. Juste à côté de l'ascenseur, il y a des cordes. Bien placé. Ah, il y a l'autre qui va revenir des enfers. Hein. Mais jamais on va réussir à retourner chercher Rachel. Elle va se transformer en Kyrian. Ah, c'est vrai que je m'attends qu'il y ait aussi quelque chose de... par rapport à elle en plus quoi. Mais ça sert à quoi de vous mettre là? Vous voyez bien qu'il y a plus d'issue. C'est l'histoire de la main de la vie. Oh. Parce que Rachel c'est pas leur affaire, ils en ont rien à péter. Mais c'est pas Jason qui est avec, c'était Nick Hanté. Mais oui, complètement, il préférait jouer le beau gosse là. Bouya, bouya. Thank you.
Mais ça dégoûte. Oh, les gars, ils jouent. Toujours là, mon pote. Non, il est possédé. On a deux soldats en pleine forme et qui n'ont qu'une seule envie, rentrer chez eux. Ici Mailman 2A actual à Coyote 2. Ah, mais tu lagues de fou, toi. Radio check, terminé. Envy? Ouais, non, ça lag pas là. Ah, je t'ai vu avec un lag de ouf. J'ai eu peur. Ici Coyote 2. Non, là, ça va. Message reçu. Envoie des unités d'évacuation. Arrivée prévue dans 5 heures. Terminé. Ouais, bah nique Rachel. Rachel, elle est au chaud dans la vaincre. On a réussi, bordel. Regardez autour de vous. C'est si calme. Bonjour, soleil. Ça fait plaisir de te revoir. Je dois rentrer chez moi voir mon fils. Mec, c'est bizarre que ce soit également pour moi. Une zone de combat. Oh non. Pas encore. Je vais en sortir du trou. Avec Rachel. Elle a un œil. Et voilà. Ouais, ils ont tous réveillé avec un explosif. Bah ouais, parce que ça servait à rien. Fallait quand même qu'ils se tapent une éclipse. Hein. Ouais, ça pouvait pas être juste la tombée de la nuit. Alors fallait qu'ils tombent sur le moment tous les 30 ans là. C'est une éclipse totale. Voire même plus. Je sais pas tous les combien c'est, mais c'est pas souvent. Ouh, le monstre t'a mordu. Mais il m'a pas mordu le monstre. C'est Rachel, la couche d'un bébé vampire. Pour savoir pourquoi. J'en sais rien, moi j'y connais que dalle à l'espace. Contact. Ils ont beaucoup de balles. On va appeler un ingénieur spatial, hein, il va t'aider. Non. Fais-le, ça va marcher. Moi je t'attends. Ça a marché. C'est pourri hein ce jeu. Oui. Pour envoyer ces enfoirés à l'affaire. Ça c'est vraiment la meilleure arme, sa barre de métal. Oui, puisqu'apparemment les balles sont pas assez tranchantes. Qu'est-ce qu'on va faire? Pénétrante. Pénétrante. Et oui, on est passé bien. Ah, il essaie de dire qu'il y a une mystérieuse lourde. Ah non, c'est. C'est des stylos? Ah non. Fusée éclairante. Mais c'est bien la fusée éclairante, ça leur fera peur. Oui, ça fait qu'il peut. La barre de fer, la barre à tout faire. Non mais t'as pas fini toi. Oh là là. Il a pas d'amis lui hein. Ouais. Il y a toujours Salim qui est trop chaud hein. Oh patate. Nulos. En fait, le lag, c'est dès que je presse une touche. C'est dommage. Dans la bouche. Oh, j'ai un frus de l'enfer. Hein. Ah ouais, et qu'ils l'ont vraiment mis dans la frus. Attention, je suis lui, il meurt tous. Ah ouais, c'est... C'est trop logique. Là, faudrait le découper en petit bout. Oui. Non. Pas cela, c'est des connards et j'en joue
commettons pas d'erreur. Merci beaucoup, Tilo, bienvenue à toi. J'ai vu que t'étais sur Disney Dreamlight, j'espère que ça te plaît. Et très bonne année, en fait. On est sur Dark Picture, House of Ashes, c'est la fin. C'est le bordel. Merci beaucoup, c'est adorable. Oh, j'ai pas de QTE là, je peux pas t'aider. T'as suivi tous tes avoirs les QTE? Bah là, j'en avais pas toi, toujours. Là. Oui, c'est toi celui-là. Ah, mais là, je fais un tout à l'heure. J'ai rien à faire. Non, c'est moi encore. Non, non, mais comme d'hab, le jeu il te laisse jouer et puis moi je regarde. Quelle histoire de ma vie sur cette partie. Ah, Jason, allez, je peux jouer Jason s'il vous plaît. Ouais, j'ai pas son pseudo là, ouais, donc c'est toi ça veut dire. Ah, tu joues toutes les chaînes quoi, c'est le jeu. On nous fait une fin épique quand même. Ouais, j'aime bien les bastons, elles sont sympas. Ah, c'est pas moi. Ça, c'est moi. Merci. Ils sont combien, genre là, on tient trop bien, main nue, sans armes et tout. Mais grave. En fait, c'est vraiment. C'est vraiment les armes où ça va pas. C'est vraiment des balles à blanc, je pense que tu vois. Ouais, je pense qu'on tirait des. Ou alors on les jetait à la main, peut-être, les balles. Du coup, ça marchait pas. C'est la barre de fer. La barre de fer, de fer. Ticardique. Les rayons du chien. Oh là là, l'effet d'opacité. Pas de l'effet d'opacité, c'est trop. Oui, bah. Qu'est-ce qu'on fuit, hein. On est plus à sa place. Mec, c'est ça de partir faire la guerre sans un stock de pantoufles à lancer. Ok, merci de dire Gilo. Bon, je vais chercher Rachel. Il faut que je voie mon fils. Ouais, prends ton arme de fou. En souvenir. Ouais, mais c'est la God Weapon, ça. C'est le légendaire, lui, il avait. Salim, attendez. Bonne chance, mon frère. Souhaitez un bon anniversaire à Zayn de ma part. Il a retenu le fils, le prénom de son fils et tout. C'est mal parti, eux deux. Ouais. Chercher qui, mais oui. Attendez, je vous aime. Moi, je pensais qu'il allait demander son numéro pour se recontacter. Trop différent. Il marchait vers un trou, je l'ai vu. Oh, d'accord. Oh, il y en a quelques-uns. Et c'est comme ça qu'a débuté Fallout 4. Attendez, 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 c'est pas la fin là, sans aucune putain de réponse. Bisous, dis l'autre, Amani. Merci beaucoup. Dans cette maison, j'avais perdu deux mecs à la toute fin, j'étais dégoûtée. Ah ouais. Ouais, si tu rates les QTE, je pense que tu te fais vite quick. 1-4, est-ce que vous voyez nos alliés? Là.
Je resterai tellement pas près des crevasses. Emmenez-nous vite, moi, d'ici. Oh, merci. Je me serais mis en hauteur un peu plus loin. J'ai des réglages assez classiques pour le moment de ma cam. Parce que je viens de la réinstaller et tout. Mais c'est gentil, Gilo, merci beaucoup. Mais c'est vrai que de même les réglages de base sont super quali. Ah, ça, les soldats masque à gaz. Ça, c'est les personnages sacrifiables. Ouais, ils ont pas de visage. On a deux survivants. Putain, les trois qui m'ont aidé un moment en bas, ils sont morts très très vite. Bah ouais, hein. Quand ils ont pas de visage, c'est bon. On peut les sacrifier. Mais faudra venir aider Rachel. Regarde, ils s'en foutent. C'était sa meuf. Ils ont dit on viendra te chercher et après ils oublient totalement en mode on fout le feu, on explose tout. Donc la bougie Rachel n'est pas là. Ouais. Nous nous maintenons. Où nous tombons. Pas mal. Certains de vos protégés ont rejoint la lumière, tandis que d'autres ont sombré dans les ténèbres. La survie se paie souvent le prix fort, un prix qui incombe parfois à autrui. J'ai déjà hâte que nous nous retrouvions. Mais les armes de l'armée étaient niquées. Oui, c'est vrai ça. C'était des jouets. Ils ont fait des jouets, les bâtards. C'était des nerfs. Vous pourriez à coup sûr passer une bonne nuit. Oh, ça fait mal un nerf, attention. Croyez-moi. Oh, ma petite, un vampire. Allions, vous aurez bien du point de vampire ne craint nerf, comme on dit. Je vous dis au revoir. Vous connaissez le chemin. Ça peut être un animal de compagnie, mais il peut aussi vous mordre. Un goujon. C'est vrai ce que ouais, j'ai profité. Bravo. Ah, peut-être qu'on va voir Rachel. Ah non. Ah si, moi je pense qu'on va voir Rachel. C'est en retard, il a une sale gueule. Je me suis tapé un vol de nuit, bon, c'est quoi ton excuse? Bon vol? Oh, film pourri, bouffe les yeux, mal assis. Ils t'ont mis à l'arrière? Près des toilettes. Classe. Mais le café était pas mal. Avec des bons muffins. T'as lu le brief? Pendant le vol. Très trop bien qu'il la retrouve. L'équipe de la ouais. Vie s'en sort bien? Le groupe d'enquête a subi de lourdes pertes, mais c'est pas le désastre total. On en a juste ramassé quelques-uns au râteau. Ah, les pauvres. Et les entités? On n'avait jamais rien vu de pareil. Rachel va être tellement transformée. Colcheck Jason, premier lieutenant, force de reconnaissance. De la crème, hein? En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Putain! Combien de fois je vais encore devoir vous répéter la même histoire? Ah bah ouais, c'est logique. Je vous comprends. Cependant, CENTCOM doit clarifier toutes les irrégularités. Du genre? C'est toute l'opération! Visez ma gamine d'harmonie. Du genre, pourquoi vous êtes rallié à un combattant ennemi? Vous étiez pas là, putain! Ces choses allaient nous tailler en pièces, alors peu importe d'où elles venaient! On avait besoin d'aide et c'est tout! Je suis retourné dans ce merdier pour sauver Salim! Cet homme en valait bien 5 comme vous! Semper Fi, putain! Et le colonel King? Ouais, et ben quoi, le colonel King? Comment est-il mort? Il nous avait conduits en enfer, et l'enfer l'a brûlé. Alors ils ont collaboré avec un soldat irakien là-bas. Un garde républicain, si tu veux tout savoir. Il a dû lui faire une sacrée impression pour que Kolchek retourne le chercher. J'ai hâte de rencontrer Steve. Rien à montrer, il est parti. Comment ça, parti? Le temps que l'équipe d'extraction arrive, il était plus là. Il a dû passer la frontière depuis. Espèce de salopard. Tu vois mieux pourquoi Kolchek a eu besoin de lui? Bah oui, ce serait fait prisonnier des Américains, bah oui. Il aurait encore des spécimens du site. Il aurait kiffé. C'est un hein. Carnage en bas. Il aurait kiffé sa life. Il avait de la dynamite. On ignore où ils se la sont procurés. C'est vrai, pourquoi il non, s'est pas non, laissé capturer? Non, c'est bon. Je vous l'ai déjà dit, c'était une cité, toute une putain de ville pleine de ces choses. Il y avait des cocons là-bas, des cocons par milliers.
Combien d'organismes étaient encore en vie sous terre? Beaucoup trop. Et j'espère pour notre bien qu'ils ont tous cramé. C'est l'affaire Winterfold qui recommence. Ah, voici le colonel Eric. Un bruit de réveil derrière. Notre petit génie. Il a clairement fait plus que ce qu'il espérait. Ils étaient mariés, non? Au sens le plus large du terme. Il en était mordu, on peut dire. En tout cas, c'est vraiment dommage. Il avait pas mal de réponses à nous offrir. Oh mon dieu, quoi! C'est de la faute de Kélus. Il a pris le temple pour un arsenal de Saddam. Ce système de merde. Je dirais pas ça. C'est une belle découverte pour nous. Allez là, Rachel! Est-ce que t'appelles ça avoir du bol? David Goudenov. Ils ont laissé King sur place. On l'a retrouvé. Ah! Elle est vivante! Et le parasite? On l'a extrait. La veine. Ah! C'est toujours bon pour dimanche? Un peu que ça va être bon. On a géré. Rabot. Je crois que je me ferai jamais assez lourd. T'aurais envie de t'habituer? Au moins, cette fois-ci, c'est local. Maigre consolation. Alors, tu penses quoi de tout ça? Peu importe ce que j'en pense. La seule chose qui compte, c'est de contrôler le flux des informations. Pour le reste du monde, il ne s'est rien passé ici. Je croyais que ce serait un parasite qu'il ne connaissait pas. Ouais, dis ça tranquille, on l'extrait. C'est bon. Et ça finit sur du rock. On appuie sur A. Ok. You want to know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Have you? Et voilà, c'était la fin de Dark Picture Anthology. J'ai délevé l'ennemi, c'est toi tu l'as fait? Ouais, c'est ce que j'ai fait avec Gilo. Il avait l'air bien. On va le faire si tu veux. Non mais tu l'as fait toi, donc c'est ça t'a plu? On va le faire si tu veux. Ouais, t'as aimé quoi. Des bisous YouTube. Je veux finir ma vidéo, merde. Des bisous YouTube.